Bonjour les Minecraftiens, ici c'est LB35 pour enfin la fin. On va se quitter de la. On On va se se quitter. casse. Ouh. Ouais, on se casse, exactement. Merci, On j'arrivais pas à trouver mes mots. Et on est avec Fanax, Saint-Joff et Spiritual, fin. Et on va enfin pouvoir On va partir. partir sans On lui. est heureux. Ouais, malheureusement, Bon, Eldaemon n'est apparemment, pas trop là. Pokémon, c'est foutu, hein. Je viens d'y aller, c'est Ouais, foutu pour Eldaemon doit être Eldaemon. malin. Oups. Voilà. Bon, Malheureusement, ouais. il mourra Mon seul et gars, abandonné sur son île. ça fait Voilà. chier. Ouais. Et regardez Le mon beau pauvre. vaisseau. Oui, il est mort. Oui, le Jamais vaisseau de dit Tanjoff, il est Oxydar. glace. Parfait. Oui, mais il m'a donné aucun On s'en plan. fout. Mais il m'a dit aucun, il m'a donné aucun plan. Je l'ai fait. Moi, je dis c'est la faute à Joris. Hein. C'est Joris qui l'a fait, c'est sûr. Hein. T'as Je rien veux fait. même Ah pas oui, savoir pourquoi c'est vous avez installé une vrai. potence. Joris De nous a quoi? créé des têtes, des fausses têtes. Je vous rassure. Hein. Ouais, quand même. Hein. Oh, c'est tellement beau. Ouais, les Comme s'il y têtes, aurait une elles sont trace de notre classe quand même. passage. Ouais, sur. Qu'est-ce que. C'est pas moi! C'est Oh! Saint-Joff! C'est pas moi! C'est pas Mon moi. dieu, Attends, pourquoi ça serait Tinjoff! moi? Parce que Non, toi. moi j'ai Bah, je pris sais des pas, sauts t'es le d'eau. seul à avoir un seau de lave C'est un ici, peu beau. peut-être! Oh là là! Donc là, on a toutes les têtes de chacun d'entre nous, Eldaemon. Pas ça. Qu'on ne retrouvera plus, on a eu des problèmes d'outils de navigation. Frosty, qu'on a vu il y a pas longtemps, mais qui s'est paumé. Quel bonnet. Et Falaval, forcément. Oh non, ça c'est Zotobakin, je suis con. Spirit Wolf. Forcément. Golem. Et le vrai Falaval à côté. Donc j'espère qu'on va pouvoir partir vraiment rapidement. Il manque plus que vous en fait. Voilà. Qu'est-ce que. Oh non, mais Oula, sérieusement! eh, ça c'est un jeu. Tinjoff. Je Et fais. allez, de l'eau partout, c'est génial. Bon. On y va ou on n'y va pas? Ah non, Oui, je vais prendre le Eldaemon. diamant, moi. Hein. Ah non, moi je m'en fous, je prends les minerais. Hein. Ah non, Les mais minerais faites avant sympa de avec m'en ceux qui resteront coincés ici. Ouais, bah vous Bon, pourriez attends, en il y a un essayer, coffre ça va aider avec tout le monde. un gros tas de bouffe à l'intérieur du vaisseau. Qu'est-ce que. Ouais, bah Attendez, en fait on attendez! prend Qu'est-ce que rien. vous dites? Hein? Ah si. Ah si. Les Qu'est-ce diamants, que vous j'ai oublié de cherchez? vous dire. Il restait J'ai plein oublié de de la vous pilule, dire. Julie, j'ai tout pris. Je prends le diamant. Ah. Les 26 Je récupère les 26 Bon. diamants. Oui, Oui. rigole. Parfait. Oui. Hé! Hey oh! Non, Oh! mais arrêtez! Sérieux? Je suis le seul Qu'est-ce qui ne qui. soit pas touché. Je suis Aïe! obligé. Je peux pas De partir l'eau! sans faire ça, quoi. De l'eau! Qui Je a peux fait pas ça partir sans faire ça, non? sérieusement? Si? Si tu Bah si pouvais. tu pouvais, sérieux. Alors, Tu pouvais venez dans partir le sans faire bateau, ça. dans le vaisseau. Pourquoi j'ai appelé ça un bateau? Ça a la gueule d'un bateau, j'ai envie de dire. Ah, oh, d'accord. Ok, Quasimodo il n'est plus là en fait, il est mort. Mais Il s'attaquait à Joris alors qu'on essayait de le mettre dans l'arche de la MC4. Hashtag arche MC4. Il est mort et de toute façon il serait mort maintenant s'il n'avait pas été avant vu que Tinjoff n'a Bah, il rien en a trouvé récupéré mieux qu'à mettre dans de la son. lave. C'est vrai, j'ai pas réussi à en Voilà. choper un seul. Ah. Donc Quasimodo qui J'en ai s'attaque à 28. Joris, tant pis pour lui après tout. T'es où, Et CLB? Je on peux va faire voir une t'es où, petite visite guidée CLB? quand même, ici on a la tombe de Floofy. Par là-bas on a Bon, moi la j'ai tombe de retourné sur le Tinjoff. vaisseau. Et il y a une potence, au fait. Ah oui, il y a la potence Et on a aussi, il y vu a une ça. potence. On a pendu La Ah, il maison fallait pas le dire, Tinjoff. merde, Depuis on va. quand j'ai une maison? Ça va Ouais, aller la maison avec de un Tinjoff. fou qui change de Si, couleur, bah un cheval en armure en diam, c'est un chien. Regarde. Allez. Alors ici on a la maison d'Eldaemon qu'on l'a paumé. Il doit être encore en cave ou quelque chose. Mais bon, je crois qu'on le reverra plus. À moins qu'il soit déjà parti d'une manière ou d'une autre. C'est possible, hein. Après tout, ne perdons pas espoir. Allez, on va se diriger ailleurs. On a la maison de maîtresse pas loin là, je T'en crois. fous, les gens veulent qu'on se barre. Ouais, on va Eh, pas vous se. avez pas un peu forcé sur la Merci. bière là? Vous en avez rempli les frigos Non, ensuite? non, ça Ouais, s'écoute la un bière, genre, c'est très bien. bien, mais. Regardez ce que Moi j'ai j'ai fait maison de sur la maîtresse. plage. Venez voir ce que j'ai fait. On peut pas sauver tout le monde. Venez vite au niveau du vaisseau pour Malheureusement. voir ce que j'ai Il fait. y a des Ouais, on se potions dépêche, mais moi je peux plus draconiennes. trop Alors je sais courir pas en ce que fait. c'est. Ah, De quoi? touche pas, je vais vous expliquer après. Ça, j'ai fait ça avec Ah oui. Spiritual. Non, Ah oui, les potions avec draconiennes. comment il s'appelle Joris. J'en Oui, peux j'ai des plus. trous de mémoire en ce moment. T'as oublié le nom de Joris? Hérétique. Bon. Et parce que on voulait exécuter, du coup, on a voulu exécuter parce qu'il fightait Joris. On a exécuté Exécuter quoi, Joris? Quasimodo. Non, Non, non. on a exécuté Quasimodo, hein. Oui, on l'a Forcément, exécuté sur cette Einstein. Le dernier potence. loup de Ce truc. notre survie. Joris et Jeb, qui changent toujours de couleur.
Et j'ai trouvé Et un... Epstein, le cheval de Fanax. Ouais, on le se cheval, casse le cheval. Et puis Mais oui, on on a se mis de casse, la pointez-vous bière, tous. Des grands crus. Bah quoi? Ouais. Alors, on n'aura pas perdu Et de la bouffe. Facile, hein. Prenez-en, plein de prenez bouffe, un peu de bouffe. Tout. Prenez un peu de tout. Oui. Pour, de la bouffe. Non mais on prend la bière. Hein. Oui. La Moi, je prends trois bière. Moi je prends 3 bières. Allez, 4 Allez. Bières. Prenez 3 potions de chaque type. Alors le bloqueur, pour vous expliquer, c'est une potion qui vous rendra. C'est une potion qui vous rendra complètement immobile. C'est une potion qui vous rendra complètement immobile, mais en même temps vous serez invincible. Le ouais, c'est pas mal. Quand même. La potion d'Empol, son nom indique tout. Oui, tout est dans le titre, quoi. On s'en va. Et la potion tu t'involes, tu t'involes. C'est une voilà. potion qui rend surpuissant en fait. La quand je pilote. Dis surpuissant, je suis sérieux. Ah oui. Ah oui. Bon, il faudrait tester. Bien savoir. Tiens, un truc bizarre et technologique. Enfin, j'espère qu'on n'aura pas trop l'occasion de se servir de ce genre de truc ouais, pendant le voyage. Robot ta gueule, hein. Le robot ta gueule, ouais, on t'a pas causé. On peut lui dire, ouais. Un truc bizarre et technologique, sérieusement. Et donc, on D'ailleurs, a en signe de pêche, je prends 10 déviants. Voilà. Oui, mais on de sait pas viands. Ce qui peut nous attendre les viands chez nous. La ressource qui nous a permis de survivre sur cette île. Ce n'est pas un placement de produit, Jean YouTube, merci. Moi, je on est juste un petit peu fatigué. Ta gueule, et on sait pas si c'est un dragon, ta gueule, ta joie. Ouais, voilà, ta gueule. Je suis un kebab. Moi j'aime autant être Charlie, mais bon, chacun ses goûts. Je suis un kebab. Je suis un Pourquoi kebab. Tous sur Twitter, spammez le hashtag je suis un kebab. 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 Et followez-nous sur Twitter aussi, bande de. Kebab. De toute façon, je suis follow par top 10, donc je m'en fous. Kebab. Allez. Bon, allez, les kebabs c'est bien, mais il faut qu'on y aille. Kebab. Non, on y va. C'est bon. Allez, c'est parti. Que Moi, le décollage je dis qu'on va se fasse. Par un dragon. Mais on sait pas. On a préparé son équipement dans le doute. Genre, notre équipement. Mais ça serait un il peu se peut simple, très bien ça. Qu'on ait aucun obstacle. C'est même plus que probable qu'on ait aucun obstacle. T'es marrant, toi. T'es en même temps, ce serait pas la première fois qu'un dragon attaquerait un avion. Ça, c'est déjà vu. Ouais, c'est pas je suis le seul à savoir piloter. Ça je suis le seul à savoir piloter, donc vous allez laisser c'est faire, sûr. Ok C'est sûr que quelqu'un sait piloter sur cette. Vous êtes prêts aussi bien, ouais. J'active c'est pas comme le si votre vie en dépendait. Ta c'est gueule, parti. Le moteur. Ah. Bienvenue la maison. Ah. 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 Regardez pas en bas. Tout a explosé. Putain. Et non. Je suis tombé en bas. Le vaisseau s'envole sans moi. Non. Les mecs. Ce grappin. Arrêtez le vaisseau. Arrêtez le grappin. Ok, je crois que je l'ai. Je crois que je l'ai. Attrape le grappin. Voilà. Voilà, merci. T'as de la chance, on s'est pas élevé trop. Ouais. Allez. Tinjoff, pour faire des décollages pareils, tu l'as eu ton ou ton permis? Il a pas de permis, tu crois quoi industrie, hein. Je crois qu'il l'a pas. Ouais, moi je crois que c'est dans un truc on pas très légal en Roumanie. Ouais, c'est ça. On est au-dessus du vide. Bah, le réacteur du vaisseau. Et t'es sûr que le ça marche encore vaisseau, ouais. Oh my god. Mais non, c'est pas le réacteur du vaisseau qui a explosé. C'est la puissance du réacteur du vaisseau qui a fait ça. Ah oui, c'était plus puissant ouais. que prévu, Joris. Joris, calcule-nous ton coût la prochaine fois, Joris. Okay alors, ouais, par contre, sûr, là... on est d'accord sur un point, on n'atterrit pas en ville hein, avec ce réacteur-là. Oui, on n'atterrit pas en ville, tu m'étonnes. Allez. Bon, Jeb, qu'est-ce que tu fous là, par contre? le pauvre Jeb. Faites gaffe ou non, tu vas pas apprécier. Ouais. Einstein se tient bien. Méchant, Jeb. Mon brave cheval. Allez, on s'est encore un petit peu élevé. Oh. Et le cheval a du mal avec avec tout voyage. On peut voir s'élever. Ah, oh là, et quand est-ce qu'on survolera la mer? Normalement, on devrait pouvoir aller à l'horizontale. Ah, au secours! Ah, oh, merci. Mon Dieu. Est-ce qu'on va réussir à se barrer d'ici? Eh mais en fait, on devrait pas. C'est tu ou un truc dans le champ? Ça marche pas. Bon, vous êtes prêts? On va passer en mode hyper vitesse là pour avancer. Ouais. Oh purée. Des Joris, Caps mode, ne me demandez pas pourquoi. Joris. Protège-moi. C'est parti. On va tous mourir. Ah, on s'envole. Ça pique. Si on regarde depuis l'extérieur, on nous voit vraiment s'envoler là. C'est. Bon ben. Bah, au-dessus des nuages. On avance. Vitesse croisière. Ok. Vitesse croisière. Allez, c'est parti. Regardez à la hauteur à laquelle on est, sérieux. Bon. C'est un truc de fou. Ouais, attends, je lui demande d'avancer là. Allez. Avance, je t'ai dit. Il fait que monter en hauteur encore. Qu'est-ce qui se passe? Joris. Mais c'est en fait là qu'il faut pas les décider. Oh non. Non. Einstein. Oh non. Einstein. Ah, une attaque. Espèce. Je crois que le démon est plus en sécurité que nous en fait. Ouais, c'est complètement. Ça.
Jeb qui tient sur le bout du truc. Bon bah j'ai ramassé l'armure d'Einstein, mais fais à son âme. RIP. Je crois que je vais Salvi, arrête de regarder au bord. C'est pas de sérieux, mais un peu quand même. Regardez l'ancienne base. Purée. On s'est encore craché. On s'est écrasé. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est écrasé. Oui, sur des terres hostiles. D'ailleurs, je ne sais même pas où nous sommes. Purée. Qu'est-ce que vous êtes celui qui nous courait la vie depuis le début? Je vous reconnais. Celui qui a modélisé. Je veux manger le joyeux qui m'a mis en faillite. En tuant la MC4, fils de patate. Mais comment vous êtes paumé en essayant de vous venger? Pourquoi vous me demandez ça? C'est pas logique, ouais, mais... enfin bref. T'as pas Google Maps, gros? Non, laissez-moi vous montrer l'étendue de ma puissance. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, oh fuck this! C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Mon dieu! Mon dieu! J'ai dit que ce serait un dragon! Oh non! Ta gueule, Tinjol! Par pitié, tais-toi! Tais-toi, Tinjol! Ça. Ah! Oh. C'est mort, quoi! Casse-toi, vilain Underman! Pourquoi il y en a plein des Underman? On va faire du Hashid. Ah, on est passé où là? Je suis un dragon! Et on a un dragon! Je me crois. Il a l'air de tirer de la puissance de ses pylônes. Quelqu'un a pris une fleur. Ah ouais, et comment tu devines ça? Tais-toi, Epson, battre! Arrête de. Non! J'en ai qu'une! On a une flèche. J'en ai qu'une aussi. Je n'ai qu'une flèche aussi. Waouh! Bien joué. Ouais, je suis un tireur d'élite, moi, monsieur. Le maître! C'est Ronald McDonald qui. Je m'occupe de détruire ceux qui sont protégés, j'ai des underperles. Des perles qui... Ah oui. Je vais détruire les action héroïque. Attention, à la perle. Il m'attaque. Ah attention, Tajov, fais gaffe. Ouch. Buvez la potion drakienne, tout de suite. La potion drakienne, immédiatement. Ouais. D'accord, je vous fais. C'est parti. Alors, fais gaffe, vous êtes un peu bourré au début. Oh. Je suis nausé. J'arrive pas à l'avoir avec mes flèches. Fais attention à ce que je fais, c'est pour j'arrive pas à me concentrer. C'est ardu, très franchement. Oh. Pourquoi utiliser la potion d'envol pour détruire un cristal? Qu'est-ce qu'il a contre Joris? Il a fait coller sa boîte. Mais ça voudrait dire que ce soit Ronald McDonald le maître. Ça il n'en reste plus dans les tours. Apparence de dragon les trois tours protégés, il n'en reste plus. Oh, il charge, donc il charge. Attention avec ta potion. Ah. Boum! Allez! Il en reste un! Yeah. Il en reste un healer! Il reste des cryptos? Par là où je tire! L'avoir. On va pas l'avoir comme ça, je pense. Vite! Potion d'envol! Moi, ça m'a un peu trop bourré! Laisse tomber, Gérard! Laisse tomber! C'est parti! Oui! Chance. Ah! Yolo! Ah, je vais tomber dans les pommes! D'accord! La potion qui fonctionne pas! Oui, je vais retomber dessus! Attention! Cette potion, ça va nous faire combien de temps? Je suis souffrant! Il y a plein de healers ici, il faut les disperser. Je suis fier de mon action, mais ça a été d'une douleur. Je m'en souviendrai toujours. C'est normal que la potion draken rende aussi malade. Oui, bah après tu vas voir, dans quelques... au bout d'une minute ça se calme. Ah non, parce que là ça fait vraiment trop mal au cœur. La douleur. On va l'avoir le dragon. Ok, le maître, fondateur et PDG de bon, McDonald's, moi, je qui se fait racheter par Joyce Industries, veut la mort de ses employés, et c'est pour moi, ça qu'on est sur un astéroïde en train de se battre. Venir partout. Et cette situation est complètement absurde. T'es bon, moi non plus. Oh purée. Moi non plus, par contre, c'est bizarre, ça m'empêche d'attaquer, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Non, tu peux attaquer, tu tapes juste tellement vite que t'as plus l'impression d'attaquer. Ah ouais, ok. On s'en fout, on calme le dragon. Il reste encore plusieurs. Il en reste plein. J'ai pas de flèche. Je me fais agresser par les Undermen. Je comprends plus ce qui m'arrive. Là, je suis dans une espèce de monde parallèle. Un monde parallèle. Qu'est-ce qu'il raconte? Oui, non, mais. Les interférences avec tout. Je vois à travers les murs. Et les interférences avec toute une navigation. Ouais. Bref, viens de battre. Ah oui, non. Je suis vraiment passé à l'intérieur de l'île. On lui fout tellement mal. Ok, la queue boss. Il tellement mal, ma gueule. Oula. Mais il est déjà aussi faible que ça. Bouge pas, bouge pas, j'ai une potion d'envol. Mon outil de navigation est vraiment efficace pour savoir combien de vie il lui reste. Il a déjà moitié là, de sa capacité de vie. Il y a un homme noir qui est derrière mon dos et qui me regarde bizarrement. Fais gaffe. Hein. Ça s'appelle un pédophile.
Bon, viens ici. C'est un petit peu limite, oh, cette blague. Oh, le maître, tu viens là, oui, oh, merde. Purée, la potion drakienne m'a coincé à l'intérieur de l'île. Ok, c'est logique. C'est la okay. Autre Panax, je peux te téléporter une dernière fois. Ouais. Bon, t'avais pouvoir cheater un petit peu. C'est même plus un iPhone, là. C'est l'iPhone de Notch, peut-être. C'est l'iPhone de Joris. Ah oui. L'iPhone de Joris, tu peux pas tester Joris. Par contre, Fanax, c'est Joris, sais ce que tu dois faire avant. Hein. Oui. C'est bon, faire quelque chose avant. Attaque. J'arrive. Il est faible à un point. Laissez-le moi, je m'occupe de lui. Quelque chose de fou. Attends, Jeff, on te le laisse. Je m'occupe de lui, je vous dis. Ok, ah, okay, on va t'aider quand même. Réunissez-vous tous au centre. Enfin. Comme ça, il viendra toujours au même endroit, il sera prévisible. Ok, on y va. Je suis là. On va pouvoir le finir facilement. Là. Viens par là. Viens te battre si t'es un homme, Jean-Paul. Non, ça c'est le maître. Ou Ronald McDonald, si comme vous voulez. Les flèches lui font. J'arrive pas comment j'arrive à rester en vie. Rester conscient avec tout ce qui se passe ici. Oui, il se coince. Oui, on va l'avoir. On va l'avoir. Là, maintenant. Je le finis. Mon arc est plus puissant que le vôtre. Allez, bouge plus. La dernière flèche. Touché. On l'a eu. Fini. On l'a buté, ma gueule. Le voilà. Oui. Oh, la force. Pas l'accès de retour grâce à la magie de Terjoff. Son essence magique tombe vers nous. Enfin. On a du pouvoir magique à mort et la puissance du truc fait que ses disciples ne peuvent plus rester en vie. Certains peuvent réapparaître. Vous devez les commander. J'ai envie de récupérer cette œuvre, ça sera mon trophée. Enfin bon, en fait, Joris vient juste de. La chance. Hein. Une femme. Un travesti, si tu veux. C'était la maîtresse. Quelqu'un a des torches par contre. Vous êtes sérieux les mecs? Bon, c'est vrai que ça pond un œuf, tu me diras donc. Quand même quoi. Merde. Bon, bah on va galérer à le trouver. Attends, je vais essayer d'en créer une à la va-vite. Une torche. Je sais pas ce que ça va donner. Où est passé l'œuf? Qu'est-ce que. Il est où? Il est passé où? Ouais, ce que je me posais comme question. Ah, il est là. Qu'est-ce qu'il fait? Il est où? Ah bah j'ai réussi à créer une torche rougeâtre. Il est où? Venez, Tajoff. Pas très légal. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, il est où là? Attention. Et il est là. Encore agressé par les dernières forces du maître. Ah. Mais grâce à notre outil de navigation boosté à la technologie jurisienne, je peux faire ce que je veux. Lol. Et attention, vous êtes prêts? Non. Oh, effet d'artifice de 23. Ben 13, tu vas être content, au moins on t'a rendu un dernier hommage ici. Merci, Tinjoff. C'est un peu tout quand même là. Firework! Firework! J'ai un accent merveilleux. Dire que Ben 13 a passé la série entière à. On est les Warriors! À créer. Et notre vaisseau est cassé, on peut pas rentrer chez nous! Mais c'est pas grave! J'ai récupéré quelque chose. Joris me dit que j'ai récupéré. Que l'œuf peut être utilisé pour faire un téléporteur. Et bon, sérieusement. Oui, c'est Joris. On est un peu dans le docteur. Va chercher. Ouais, sans doute. Attendez. Qu'est-ce que j'ai bu là? Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai bu? Oh là là là. Je souffre. J'aurais pas dû boire ce truc. Quelqu'un a emporté du lait pour le dessouder un peu. Désolé. La torture. J'en avais mis très très alcool. Attends, j'en ai pas de. Yeah. Moi-même, je vois plus rien. La torture. Vas-y, tiens, je te donne le truc. Tiens, voilà. Vive nous. La magie de Dieu, voilà. Bon, mais ouais. Non, mais Fanax, qu'est-ce que tu fous? Pas au centre. Vive nous. Bon, un tour en la piste, sinon, évidemment. On va pas pouvoir se téléporter. Tu crois? Bah, tour en la piste, c'est. Oui, j'en suis même sûr. C'est une loi, c'est une règle. Juste une question, Tajoff. C'est normal que je prenne des dégâts avec ta bière de. Ouais, c'est la bière du Tajoff, hein, écoutez. Ah là là. Exact. Mais. Ah bon, on souffre un petit peu. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Dégagez. Oh non.
Je vais juste me faire buter par les zones de... Wow. Oh là là, mais qu'est-ce que j'essaye de vous faire dégager de la plateforme centrale pour être tranquille. Bah ouais, mais sauf que tu fais fondre la glace. C'est malin ça. Quelqu'un pourrait m'aider à effacer l'effet de la bière, s'il vous plaît, me distiller. J'ai plus de nez. Je des zinc. Ah, j'ai pas de nez. Moi j'y arrive. Grâce. Merci beaucoup. Mais de rien. Alors. Ah oui, le lait a une propriété magique. Et il y a la glace qui fond, je vous informe. Hein. Mon outil de navigation a un petit peu du mal à tenir le coup, mais bon. Partout. Il me retranscrit une conversation de précédente, bref. Qu'est-ce que... Oh là là, mon outil de navigation qui fait des ciels. Bah, tu me diras, rien qui dans ton normal était stupide, alors... Je capte que dalle de cet astéroïde en même temps. On a utilisé un RP stupide. Mais non, mais Spirit Wolf, arrête. Oh, il respecte. Allez. Décidez-vous à avancer. C'est de la merde. Je commence à m'ennuyer un petit peu. Je prépare le téléporteur. Ok, mais fais vite parce que je m'ennuie moi. Ok, elle est tout à fait normale. Ouais. C'est... Une moto dans l'astéroïde. Alors. Alors, sur les astéroïdes. Fanax, ton lampiste va nous être utile. Les astéroïdes. Ah oui. Des flammes sur les astéroïdes, qu'est-ce que je fais? Au centre de l'œil. Cool. On va enfin pouvoir se téléporter chez nous. Merci, Tinja. Merci. Il est en train de nous faire une espèce de... Et merci surtout, Joris. Ah. Je sais pas. Tu nous fais notre TARDIS, hein, mais sauf qu'il sera... Mais écoute, pareillement à l'intérieur. Je me douche dans les Underboots. Ouais, après, c'est sûr que ça a pas vraiment la même gueule qu'un TARDIS, hein. Fanax, t'as encore combien de blocs de quartz de... Oh non, mais j'ai tout mis, hein. Ah si, j'en ai deux. Oh, non, mais en plus, tu les as fait tomber dans la lave. Quoique, like a boss pour deux blocs, je suis bête. Alors, qu'est-ce que j'ai... Et tu me laisses rentrer, oui. Oh. Qu'est-ce que... Ah, c'est cette réplique qui restera culte. Oh, il faut encore... Voilà, c'est ça. C'est la nouvelle réplique de la MC4. À notre victoire. Eh oui, fils de patate. Fils de patate, ta mère. Après, sous l'océan. Était une carotte et ton père. Une tomate. Fils de patate. Quand je pense à toi, je suis patate. Voilà. Et toi, tu n'es. Presque. Car fils de patate, quand je pense. Alors, attention, dégagez du centre. Dégagez du centre. Mettez-vous chacun dans un. Vous, je suis une tomate et on va enfin pouvoir partir. Dans un purée, ça va tellement. C'est mon côté, c'est les choses musicales. Qu'est-ce que vous faites? Non, ici, voilà. Fanax. Quoi? Ici. Ah, ici. Là, voilà. Ah. Et voilà, nous y sommes tous. Posons l'œuf. Éblouis-nous, c'est parti. Buvez une bière, et ça sera parfait. Allez, à notre Ok, victoire. On y va. Bon, j'ai pas tellement de bière, ouais. En fait. Mais... Non, ah, voilà. C'est un peu violent, quand même, hein. Ça me fait pas trop d'effet étant donné que c'est de l'eau en fait. Non. Mon dieu, nous y sommes. C'est l'heure de la téléportation. Quoi ça? La prophétie s'achève ici les amis. Et là, normalement, nous allons mourir et retourner chez nous. Ça va? Il est réveillé. Quoi? Il se réveille. Alléluia, il s'est réveillé. Enfin. Les mecs. Non mais deux. Bravo. Tout va bien. Tu es en train de casser mais. Tout va bien. Bah, on est chez on est de retour. C'est parfait. Bah, ça fait 2 mois, oui. Mais par quel... Quoi? Ça fait 2 mois qu'on s'est séparé. Tout va bien? Ah oui. Bon, toi, tu t'es évanoui, t'es resté 2 mois dans le coma. Joris est toujours là, il va en 2 mois dans le coma, mon dieu. On est de retour ici. Quelle belle aventure, quand même. Non, jamais. Le vaisseau, l'avion, oui, mais l'astéroïde de merde. Tu parles de quoi? De quoi? On n'a pas eu d'astéroïde. On n'a pas combattu de dragon, comme le disait un Joff. Et Creeper Plongeur? Bah, je crois que si, hein. Je suis bizarre, j'ai jamais affronté. Je serais en train d'halluciner, ouais. Des Creeper Plongeurs, c'est quoi ce truc-là? C'est quoi ce truc-là? Ouais. Creeper Plongeur, ouh! Je crois que t'en as un peu trop pris. Bon. Voilà, wow. C'est ça. Mais qu'est-ce qui se. Non, mais je veux pas admettre que ce n'était que des. J'ai pas passé des mois et des années entières à halluciner quand même! Sérieux? Quoi? Ah oui, bon, la tour en lapis après tout, hein. C'est la signature de Fanax, bref. Bon, on va te laisser en paix du coup. On pouvait rien faire. Tinjov d'ailleurs, il n'a pas survécu.
C'est un chauve. Oui, sauf qu'il est mort. Oh, le pauvre. Il est mort. Oh, mon dieu. Tarjov, reposant RIP in peace. Tarjov. Oui. C'était le cri de détresse. Ça. Il est vraiment mort. On n'a jamais combattu de dragon. Mais... On n'a jamais combattu de dragon. Le maître. Dragon. Le enfin, maître. À part celui de l'année dernière. Oui, celui de l'année dernière, mais c'était d'ailleurs un petit peu le même. Mais tiens, Oli Joris. Bah. Je suis content d'être de retour. Quand même. Des délires, ouais. C'est un. Mon dieu, voilà. Mais j'arrive pas à m'imaginer, pourtant j'interagis avec vous et tout. Un délire pour moi quand même. Eh. Ah oui. Ouais, tu sais quoi, après tout ça, je pense que tout le monde a besoin de se reposer un peu. Je pense que bon, on pourrait prendre le bateau par exemple, un truc pas trop cher, low cost, et puis prendre et un peu de vacances. Pas le low cost, s'il te plaît. Non, pas le low cost. Pas le low cost, j'ai la phobie du low cost. La phobie du low cost. S'écraser sur une île comme ça à cause d'un avion low cost, je vous rappelle. Il y a pas long. Enfin, il y a un peu plus d'un an maintenant, mais. Le low cost, non, c'est mort. Comme il en existe des milliers. Enfin, il me semble qu'on a même parlé d'un pilote qui aurait tenté... du pilote qui aurait tenté de se suicider. Oui, oui, ah. Ouais, c'est ça. Ah oui, cet événement-là. Il n'y a pas eu vraiment de preuves jusque-là, mais bon. Ouais, cet événement. Enfin, tout le monde a parlé que ça pendant un mois. Bon, je suis soulagé et en détresse un petit peu aussi. On n'y peut rien. Toujours est-il que notre péril va s'achever ici, les amis. T'es sérieux ? T'es sérieux ? Bah ben ouais. Je vois pas ce que c'est un incroyable. Peut-être, enfin. Hein. Pas. Peut-être quoi. Mais en tout cas, c'est ici qu'on va s'arrêter. En tout cas, je sais qu'on n'a pas fini de vivre des aventures épiques et que vous êtes toujours prêts à nous défier et toujours prêts à voir Minecraft dans Minecraft vous êtes offert. Donc sur ce, je vous dis au revoir. C'était CLB. À bientôt pour la 4e saison. Ciao les gens. Donc je vous remercie énormément de votre fidélité pour cette 3e saison et pour votre patience parce que c'est vrai que les deux derniers épisodes étaient un petit peu comme What the Cut 36. En tout cas, merci d'avoir suivi cette 3e saison de Minecraft vous est offert. Et Minecraft vous sera toujours offert pour les mois, les années à venir, en compagnie de la MC4 Team, sur des maps, des survies toujours plus épiques, toujours plus de nouveaux concepts, et toujours plus d'abonnés à nous suivre. Merci infiniment à vous, et il y aura des petits bonus à sortir dans les semaines à venir. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, toute cette 3e saison. Donc sur ce, je vous remercie une nouvelle fois, je vous dis au revoir, c'était CLB, je vous laisse avec encore un tout petit bonus, c'est Diamond qui se fait pendre dans la trop souffrance, et avec Dovahkiin et Falaval, des petites explosions. Et encore une fois, merci beaucoup à vous pour votre patience, votre fidélité, MVO4 sera 1000 fois plus épique, je vous le promets. Wesh, on a pondu les Diamonds. Vous avez des vaches quelque part? Ouais. Fanaxte, viens Fanaxte. Viens, c'est clair. On a besoin d'Eldaimon. Ouais, il a peur de prendre très bien. Mais non. Prends l'héritier. Prends l'héritier. Eh non, mais... Viens ici, Fanaxte. Je pense qu'il y a besoin d'être branché. Non, mais sinon, quelqu'un pourrait me dire où est-ce qu'il y a des vaches. Bah, Fanaxte, on a. Il y en a plus. Je sais plus qui les a. Mais non. Mais il descend pas là. Quel boulet. Ça avance un petit peu, Eldaimon. Non. Non, non. Bon, je vais aller au vaisseau comme ça sera fait. Non, mais t'es bloqué dans une toile d'araignée, je sais pas si t'as compris. Mais... What? Ah oui, d'accord, j'ai un énorme rollback. Il est pendu même sur la toile d'araignée. What the fuck? Non, mais j'ai un big rollback. Bon, là, je lag complètement là. Oula. Eh, ça a même pas le crash. Pas encore. Faire exploser la map, c'est pour ça. À part le coup, on arrive à la map. Ça va, je suis de FPS de partout, tu vois. Un FPS, 2 FPS, 9 FPS. Ah bah c'est bon, là j'ai tout retrouvé. Ouais, pareil, c'est ça. Bon, moi j'ai quitté. Ah non.
What? Bon bah, on aura peut-être fait crash le serveur. Tu te rappelles Maxime quand on avait fait venir ça a coupé lui. Pour l'édit. Ça m'a coupé. Ah oui. Mais pour moi. Au revoir.